On a tous un rêve de gosse, un truc dans la tête qui nous suit depuis qu'on est tout petit. Une envie, une idée. Un truc pas forcément toujours très malin, mais qui restera scotché dans un coin de notre tête jusqu'à ce qu'on ait fini par le concrétiser. Pour moi, c'est la boxe. J'ai jamais eu envie de vivre de la boxe, de devenir champion du monde, d'être reconnu par tous ou de laisser ma trace dans ce monde grâce à mes talents de boxeur. Je n'ai probablement pas ce qu'il faut pour ça, et je n'en ai pas la prétention. En revanche, depuis tout petit, à chaque fois que je regarde un film de boxe, que j'assiste à une soirée de combat ou que j'entends des boxeurs parler de leurs exploits sur le ring, mon cœur se met à battre plus fort. Pour une raison que j'ignore, depuis toujours, j'ai en moi ce sentiment persistant de devoir aller voir comment les choses se passent entre les cordes. Pour l'expérience, pour les sensations, et peut-être aussi un peu pour le frisson. Au fil des années, et au gré de mes modestes expériences pugilistiques, j'ai pu me rapprocher un peu de ce monde qui m'a toujours fasciné. Fasciné parce qu'il m'est étranger. Enfant, je n'ai jamais été violent, turbulent ou agressif. Ni la violence, ni la boxe ne sont dans ma nature. En vérité, tout dans ce sport me fait sortir de ma zone de confort. Prendre des coups, en donner. La douleur, la fatigue des entraînements, le risque de blessure, les cicatrices, la peur même. La boule au ventre quand vous tournez avec des boxeurs plus lourds ou plus expérimentés. Rien n'est confortable. Rien n'est facile. Rien n'est gagné d'avance. Et c'est probablement pour ça que la boxe m'attire autant. Parce que la boxe me permet de devenir meilleur. De toucher du doigt mes limites. En tant qu'athlète, en tant qu'homme. De les apprivoiser et de les dépasser. La boxe fait de moi quelqu'un de meilleur. C'est pourquoi j'ai choisi de partager avec vous mon histoire. Au cours de cette nouvelle série de vidéos, vous allez m'accompagner dans ce qui sera mon parcours initiatique jusqu'au jour J, où je réaliserai enfin mon rêve de gosse, monter sur un ring. Vous allez m'accompagner dans mes séances d'entraînement, face aux sacs de frappe, face à mes partenaires, et face à tous les obstacles qui vont se dresser devant moi pour me permettre, peut-être, de devenir suffisamment aguerri et de mériter ma place entre les cordes. Mon but n'est pas de devenir le plus fort, le plus dur, le meilleur. L'ego n'a rien à faire là-dedans. Je ne suis personne dans le monde de la boxe. Personne ne m'attend. Je n'ai rien à prouver, donc rien à perdre. Mon but est simplement d'aller chercher ce que la boxe elle-même a à m'offrir. Au-delà de la fatigue, au-delà des heures d'entraînement, des bleus, des courbatures et des tibias meurtris. Et c'est là que je vous emmène cette année. Au-delà de la sueur, du sang et des larmes. Au bout de moi-même.